C'est parti pour cette huitième et dernière course. Ça se bouscule en début de parcours, notamment Capcuta qui a dû être repris. À l'avant, bien parti donc Courtroom Magic avec Cloud Seed qui va se mettre à son extérieur. On trouve par la suite Red Force One Zen Zero évolue lui en troisième épaisseur. Better Than the Rest, Capcuta. Le Gypsy King qui tire sous la monte donc de Soufol à l'arrière. Justinian et Stéphane Nadeneuil, les chevaux entament la descente, 800 mètres, environ 900 même à parcourir. Donc pour Courtroom Magic et Akasho Charaz, avec une demi-longueur d'avance sur Cloud Seeder et Swapnil Ramin Zen Zero. Red Force One, un beau parcours sur les barres, Better Than the Rest, Capcuta. Ensuite, on trouve Gypsy King et à l'arrière, Justinian qui tente de se recoller à la rue du gouvernement. À 450 mètres de l'arrivée, avec Control Magic le favori, Cloud Seeder est sous pression, mais Red Force One, il va très bien en troisième position. On trouve Zen Zero, Better Than the Rest, The Gypsy, King Capcuta, Justinian qui a repris le mort en pleine ligne droite avec Courtroom Magic, Red Force One à l'intérieur qui tente de revenir. Justinian cherche le passage d'assez loin. Courtroom Magic avec Red Force One, Courtroom Magic, Justinian qui revient bien et fort à l'extérieur, mais Red Force One a l'avantage pour l'instant. Courtroom Magic avec Justinian à l'extérieur, mais trop tard. Courtroom Magic. Courtroom Magic, je pense, a tenu bon. Vous allez le voir, Courtroom Magic avec Red Force One. Courtroom Magic sous la monte d'Akasho Charaz. Face à Red Force One, Justinian, vous voyez, Donoyo qui force ce passage pour essayer de revenir de très loin. Mais c'était une belle ligne droite. Courtroom Magic. Joli duel face à Red Force One. Et Justinian à l'extérieur. Peut-être à la deuxième place. On verra.